tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je ne suis pas assise, je vais éteindre la télé, voilà, parce que comme vous avez vu c'est un haul, mais alors ça va être un haul un peu spécial. Ça a été comme ça. Alors je ne suis pas assise parce que le carton est trop léger, hein, mais il est gros. Donc si je m'assois, ben, vous n'allez plus me voir. Voilà. Fifi est couchée, hein, par terre, pas par terre, mais devant moi. Alors, je vous explique. Ça vient de chez Pingouin. Donc Pingouin, c'est la même boutique que Fil d'Art. Tu veux venir là? Je vais te montrer. Et maman. Non. Donc Pingouin, c'est la même boutique que Fil d'Art, mais bon, Pingouin, c'est l'ancienne version, on va dire, mais ça existe toujours. Donc c'est géré par la même société, mais bon, sur internet, c'est deux sites différents. Donc je voulais regarder au moment du fameux Black Friday, voilà, je le dis bien maintenant parce qu'à chaque fois on se moque de moi parce que je ne sais pas, je m'en fous parce que je ne sais pas bien le dire. J'ai voulu passer une commande sur Pingouin, mais enfin bon, je m'y suis pris un peu tard. Je m'y suis pris à 11h30 du soir, donc Black Friday s'arrêtait à minuit, donc une demi-heure après. Mais donc je me suis, bon, j'avais déjà fait des repérages un petit peu avant, je voulais commander, je voulais pas, je voulais, je voulais pas, je voulais, je voulais pas, ça a été comme ça toute la journée. Et donc à 11h30, je dis bon allez, tant pis, je fais ma commande, c'est en promo, c'est vraiment pas cher. Donc je fais ma commande, et puis ça. Vous voyez, quand le site tourne, que ça rame. Vous voyez le truc qui tourne. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. La page, elle se remet. Et ça retourne, ça retourne. J'ai pu réagir. Et j'avais déjà choisi mes articles. Enfin, j'avais déjà choisi un article. Donc, ça continue à ramer. Ça se remet, minuit moins le quart. Je me dépêche de choisir mon deuxième article. Donc le deuxième article, c'était pareil, c'était de la laine. Le premier, c'était 4 pelotes. Et le deuxième, c'était 12 pelotes. C'est là que c'est très important. 12 pelotes. Donc cette laine-là, c'était la laine tourbillon. Et puis ça recommence à ramer. Ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. J'ai plus réussi. Je pourrais pas passer ma commande, j'ai pas, tant pis. Hein. Et j'arrive hein, au moment de. Il était quelle heure? Minuit. Ouais, moins 5. Minuit moins 5. Oh, miracle! J'ai ma page de commande. Je peux faire mon service livraison. Je peux cliquer sur le truc de paiement. Donc, je clique sur paiement, moi PayPal, hein, vous le savez. Je clique sur PayPal, le temps de faire mon truc en 4 fois, malgré que c'était une petite somme, je le faisais en 4 fois quand même. Et ne me dis pas que c'est PayPal qui rame. Alors là, PayPal. Alors, du coup, PayPal a ramé. Et puis, mon paiement s'est enregistré à minuit 3 minutes. Minuit 3 minutes. Mais le Black Friday, du coup, était dépassé 3 minutes. Ma commande a été prise au prix normal, donc plus en promo. Youpi. Et en plus, ma commande avait changé toute seule.
Donc, les quatre pelotes, ça allait, elles étaient restées. J'avais ach aussi acheté une fiche que je vais vous montrer, une fiche pour un pull à télécharger. Donc, ça c'est pareil, hein, c'est une galère. Bon, elle est, du coup, ça c'est pareil, c'était passé au prix normal alors que c'était en promo. Et je regarde, donc je reviens sur ma commande. Je vois, sur le coup, je vois pas le nom des pelotes. Je vois le chiffre, la quantité, je vois 24. Purée, j'ai pas commandé 24 pelotes, j'en ai commandé 12. Mais comme ça avait ramé, j'ai dans ma tête le truc, il m'a doublé ma commande. Mais les premières pelotes étaient bien restées à 4. J'ai un truc bizarre. Du coup, je continue à regarder. Et c'était pas les pelotes, c'était pas les tourbillons, c'était une autre pelote. Donc le truc en ramant, ben, il m'a changé ma commande. Je ne sais pas comment ils ont fait. Donc, à minuit, plus moyen de rien faire. Hein. Le lendemain, j'ai essayé de téléphoner. Le lendemain, c'était quel jour? Enfin, je ne sais plus. Le lundi matin, j'ai téléphoné tout de suite à Pingouin. Je téléphone. J'ai la petite musique hein, pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, toutes nos conseillères sont en ligne. Gna gna gna, veuillez refaire notre numéro. Une heure après, rebelote. Une heure après, rebelote. Ça a commencé à me chauffer. Du coup, je vais essayer d'envoyer un email. Je sais pas moyen que ça fonctionne sur leur site. Ah, je dis, j'étais sur leur page Facebook et puis là j'ai réussi sur la page Facebook à envoyer un message. Mais sur la page Facebook, on m'a répondu 3 jours après. Voilà. Et pendant ces 3 jours, j'ai eu personne au téléphone. Et entre deux, j'ai réussi à envoyer un email en demandant qu'on m'annule complètement ma commande, sauf la fiche que j'avais téléchargée, puisque ça, on ne pouvait plus l'annuler. Donc ça, alors je ne reçois pas de réponse de mon email. Par contre, je reçois une facture à zéro, une facture à zéro. Donc il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que la fiche du pull à télécharger. Donc à 99 centimes au lieu de 74. Bon, on va pas chipoter, hein. Le reste n'y était plus, donc bon, j'étais plus à 20 centimes près. Je vais voir sur mon PayPal. Par contre, sur mon PayPal, tout y était encore. Ce n'était pas encore tiré à ma banque. Mais c'était encore inscrit sur mon PayPal. Mais bon, j'ai le temps que ça se fasse, hein, que ça s'enregistre. Il faudra peut-être 2, 3 jours. Là, bon, rien d'extraordinaire. Du coup, je retourne sur le site. Comme j'ai reçu la facture, je vais sur le site. Je vois les quatre pelotes, les 24 n'y sont plus, c'est marqué 0, et la fiche du pull, c'est marqué 2 au lieu de 1. Là, j'ai commencé à péter un câble toute seule, et le total était toujours, lui n'avait pas changé. Donc j'ai renvoyé un message bien sec sur entre deux Pingouins m'avait répondu hein, sur Facebook comme quoi ils allaient faire téléphoner quelqu'un j'avais donc j'ai eu personne. J'ai renvoyé un message mais alors là bien assaisonné et ce matin ils m'ont répondu à mon message que dans la journée j'avais quelqu'un qui allait me téléphoner et ben 10 minutes après j'ai une dame qui m'a appelé et puis là elle me dit expliquez-moi tout parce qu'elle dit là on comprend rien du tout votre problème. Je dis oui, je dis ben moi non plus, donc j'ai tout ce que je viens de vous expliquer, je lui ai expliqué. Et donc elle doit me rappeler lundi ou mardi parce qu'elle va voir avec sa chef moi ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et moi,
entre deux, je lui dis oui, parce que j'ai quand même un colis qui vient de chez vous. Alors que la commande est annulée. Elle fait, ben, elle dit, moi, j'ai plus de commande à l'écran. Il n'y a plus rien. Je fais, ouais, mais j'ai moi, à mon écran, j'ai encore j'ai les quatre pelotes. Je dis, donc, je pense que le colis, c'est juste les quatre pelotes. Elle fait, ben, peut-être. Elle dit, mais moi, je n'ai plus du tout de commande pour vous. Je n'ai plus, je n'ai pas de paiement. Vous n'avez pas de paiement à faire, ni rien. D'accord. Ah, c'est rocambolesque, hein, cette fois-ci, je vous le dis. Bon, on a papoté comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, papoté. Je vais tout expliquer. Elle a essayé aussi de comprendre de son côté. Bon, donc elle va me rappeler là après le week-end. Je verrai avec elle ce qu'ils ont fait. Et une demi-heure après, mon facteur a frappé à la porte. Et donc, voilà. Vous pensez bien qu'un colis comme ça, ce n'est pas un colis pour quatre pelotes? Eh non! Donc, je vais vous montrer. Ah, c'est... Alors, l'affiche du pull. Bon, là, moi, quand j'imprime, je n'imprime pas en couleur. Hein, parce que les cartouches couleurs, ça coûte cher. Donc, moi, c'était ça. Vous voyez, c'est ce pull-là. Et donc, j'avais commandé... Normalement, je commandais la laine pour ce pull-là. Voilà. La laine tourbillon. Et j'ai, mais là, je vous mettrai plutôt les photos parce que là, c'est très noir, vous ne verrez pas bien, vous voyez, là, vous ne voyez pas bien. Et les quatre pelotes, c'est pour faire un gilet. Je vous remettrai les photos. Donc, j'ai ouvert mon colis. Surprise! J'ai mes quatre pelotes. Voilà. Hop. Donc, je vais vous les montrer. Alors, c'est vert canard. Moi qui ne m'habille, qui ne mets jamais de couleur vraiment flochie, j'ai dit, bah, allez, vert canard. Voilà. Bon, je vous reparle de la laine après. Bon, j'ai bien mes quatre pelotes que je voulais garder. Enfin, que je voulais garder, bon, je les avais annulées, mais bon... Je les avais, c'est bien, je les avais pas, c'était pas grave. J'ai eu droit à un petit sac cadeau. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être si je fais un cadeau à quelqu'un pour mettre. Mais vous voyez, bon, c'est pas pingouin. Vous voyez à l'envers, mais c'est pas pingouin, c'est marqué fil d'art. Mais c'est la même boîte. Et... Les 24 pelotes que je n'ai jamais demandé, qui ont été annulées par eux et que j'ai quand même reçu. Voilà. Qui ne, à la base, bah, du coup, n'ont pas l'air d'être facturées. Donc, j'en saurai plus lundi. Je vais vous les montrer. Hein, plus, donc là, c'est bien pingouin, c'est pareil, vous le voyez à l'envers, mais c'est bien du pingouin. Voilà, donc ce sont des pelotes qui se tricotent avec du 3,5. Ils disent que pour faire une layette, il faut 3 pelotes. Pour faire un enfant de 6 ans, il faut 6 pelotes. Pour faire un adulte en 42, il faut 9 pelotes. Et c'est du 100% acrylique. Voilà. C'est des pelotes de 50 grammes. Oui. C'est une jolie couleur, hein. Il y a, ça va. Donc voilà, je vous montre la couleur. Donc voilà. Donc je me retrouve avec 24 pelotes que je n'ai pas demandé, puisque j'avais demandé 12 pelotes. J'ai oublié le nom. 12 pelotes tourbillon.
Et le site internet avait enregistré ça. Donc voilà. Et eux n'ont plus, ça n'est plus du tout dans sur leur site internet, sur leur fiche de commande. Ils ne l'ont plus. Ils n'ont plus aucune trace de ma commande. Plus de trace de ma commande, plus de trace de mon paiement, plus rien. Donc pour eux, je n'ai pas passé de commande. Mais ils m'ont quand même envoyé. Donc je vais voir ce qu'elle va me dire lundi. Peut-être qu'elle va me dire de les garder, hein. Qui sait? J'ai tellement galéré. On verra bien. Je vous en dirai plus lundi ou mardi quand j'aurai eu au téléphone. Bon, si je les garde, bon, je trouverai bien quelque chose à faire avec, hein. Et bon, 24 pelotes, oui. Alors celle-ci, alors ils disent dégradé, mais je pense pas que ça a dégradé. Hein, vous voyez, c'est parce que dans cette couleur, enfin cette laine-là, il y a plusieurs sortes. À moins qu'il y a du clair un peu à l'intérieur de la pelote, parce qu'il y a du vrai vrai dégradé, il y a du comme ça, il y a du moins dégradé. Donc je ne sais pas ce que ça va donner exactement, parce que là c'est du pingo fluffy, dégradé de couleur. Donc on verra ce que ça donne. Alors celle-ci. Elle se tricote en 5. Voilà. C'est de la. Est-ce que c'est marqué? Oui. 85% d'acrylique, 15% de polyamide. Alors, je voudrais vous montrer le fil, l'épaisseur. Voilà. Oui. Donc c'est assez fin, c'est surtout le faux mohair, on va dire, qui est autour. Là, c'est un peu un faux mohair. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Lavage à 30 degrés. Alors en machine aussi, ils disent 30 degrés, mais bon, ça c'est le genre de pull qui va aller dans une unité d'oreiller, hein. Voilà, pas le fer à repasser au minimum. Voilà, pas de sèche-linge, ça peut aller au pressing. Voilà, et donc ça, c'est le vert canard. Ça va, mon teint? Alors, ouais, c'est bon. Je regardais les bains, du coup. Donc là, j'en ai pris que 4 parce que pour ce gilet dans ma taille en 50-52, il en fallait que 4. Voilà. Et j'ai eu dans la semaine, donc j'ai eu la Filda. Bon, je vous dis, c'est la même société, hein. Pour le pull, vous savez, le pull col roulé avec les torsades, je m'inquiétais de savoir qu'il n'y avait que 8 pelotes. Qu'il fallait que 8 pelotes et qu'il fallait les doubler, qu'il fallait doubler les filles, donc ça m'aurait fait 4 pelotes. C'est bien ça. Il faut bien que je tricote donc avec 2 pelotes, et donc c'est comme si je faisais donc bien mes 4 pelotes pour faire mon pull. Voilà, donc je suis rassurée. Et j'ai des filles sur un groupe fil d'art qui l'ont fait, et elles m'ont dit aussi, non, non, c'est bon, c'est ça. Donc, je suis rassurée. Donc voilà toutes mes péripéties avec Pingouin. Donc maintenant, je me retrouve avec 24 pelotes, comme ça. Donc, je vous en dirai plus dans la semaine. Hein.
si je dois les renvoyer, si je dois les garder. Je vais voir ce qu'ils vont me dire. Bon, s'ils me disent de les garder, tant mieux. Hein. Bon, là, le petit sac. On verra bien. Là, je n'attends plus qu'une seule commande. Après, c'est fini. Terminé. Jusqu'au solde. Non, j'aurais fait une seule commande parce que c'était Hébergeur de France. Eux, c'est pareil. Là, il y a le PayPal refonctionné. J'ai pu repasser ma commande que je voulais aussi là pendant le Black Friday que je n'ai pas pu. Donc, je l'ai passé après. Donc, le PayPal fonctionnait. Mais du coup, il y avait des autres promos. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller en ce moment. Vous avez le droit à des pelotes gratuites. Bien sûr, ce sera des pelotes de la même laine que vous avez choisie avec le même coloris. Voilà. Donc, c'est jusqu'au 28 décembre. Et vous avez à partir de 49 euros d'achat. Bon, les frais de port gratuits, ça, c'est comme toujours. Et vous avez l'agenda gratuit avec des modèles de tricot dedans. Voilà, donc ça, on les a en cadeau. Donc, du coup, j'ai eu des cadeaux. C'est pas plus mal. J'ai eu des pelotes de laine gratuites. Enfin, je vais les avoir. L'un dans l'autre, bon, ben, j'ai pas perdu. Voilà. J'ai une des deux laines que j'ai commandées qui est restée en promo. Et l'autre n'était plus en promo, mais elle était à 1,80€ quelque chose hors promo. Donc, et c'est sur celle-là que j'ai eu des pelotes gratuites. Donc ça va, j'ai eu 4 pelotes gratuites. Voilà. Mais bon, là on parle de Pingouin aujourd'hui, on ne parle pas de Bergeron de France. Donc je vous montrerai quand je les aurai reçus, parce qu'eux sont beaucoup plus longs pour livrer. Mais voilà, donc je voulais vous expliquer mes péripéties avec Pingouin. Donc on verra. Je vous en dirai plus dès que j'aurai le coup de téléphone de la conseillère qui me dira que je fais du colis. Hein, et puis s'ils m'ont retrouvé, s'ils m'ont pas retrouvé. S'ils m'ont pas retrouvé, ben je garderai le colis. Hein. Tant pis. Hein. Non, mais on verra. Pas chat. Il fait des bêtises. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ce sera aussi... J'ai recommencé un nouveau tricot. Déjà bien, bien avancé depuis hier. J'arrive à la fin du dos, là. Pas chat. Arrête. Excusez-moi. Non, c'est parce qu'il a traîné à la litière de Fifi. Et il n'a pas le droit à ça. Donc, j'ai commencé un nouvel ouvrage hier. Et là, je suis déjà arrivée en haut du dos. Donc, il y aura une vidéo bientôt là-dessus. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.